Bah alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Moi, j'ai lu des livres. T'as lu beaucoup de livres. J'ai surtout lu un livre. Il était long. T'as lu des livres, t'as lu un livre et qu'il était long. Alors, t'as fait quoi d'autre? J'ai lu le livre. C'est quoi lire un livre? Bah, tu commences au début, tu continues un peu plus loin. Tu arrives, c'est la fin. Et là, tu regardes en arrière, tu dis, j'ai passé ce temps, et c'était le temps de lire les livres. Et tu fais quoi d'autre? Tu fais quoi d'autre que lire tes livres? C'est une grande chance de lire un livre tout au long du temps. Tu pourrais au moins essayer d'en lire plusieurs. Mais si tu penses que tu lis un livre et puis un autre et ensuite encore un autre, ça fait plusieurs livres, mais c'est important de lire des longs livres ou des livres qui demandent du temps pour les lire, des livres qui exigent qu'on ouvre le temps. Mais un long livre plus un long livre plus un long livre, c'est comme si tu avais lu trois livres. C'est vrai, tu as lu trois livres. Et tu comptes un peu là le temps que tu passes là dans tes livres tous les jours. C'est pas forcément les jours, c'est même principalement la nuit, le jour. Je vois là les lumières, j'écoute, je pense un peu. Des fois, penser, c'est un peu une impasse dans le monde qu'on est. Le monde en impasse impose une pensée en impasse. Alors, oui, tu lis des livres, tu prends le temps de lire un livre, tu passes le jour dans un long livre, le jour enchaîne sur la nuit, tu restes dans ton livre. Tu gagnes quoi? Tu gagnes le dedans de toi? Le dedans de toi? Ça t'emmène loin, le dedans de toi? Est-ce que ça t'emmène loin, le dedans de toi? Qui pourrait savoir? Lire un livre entraîne l'appel d'un autre livre, et dans l'autre livre, tu entends résonner l'appel du prochain livre. Tu avances dedans toi. Et toujours au bout de toi, à condition de continuer le livre. Et tu vas faire quoi là, ce soir là, dans la nuit là, qui vient? Je vais lire un livre.